C'est un des rares endroits en Égypte où on est toute l'histoire de l'Égypte jusqu'à l'époque musulmane sur un site aussi étroit. Comme chez soi. Allez, encore un. Et pouf, voilà. Il n'a pas pris une ride. Ah oui, on a un petit peu le souffle coupé. Hein. Alors, ça t'impressionne quand même. Ah, c'est fabuleux, ça c'est fabuleux. Hein. Ici, les sépultures sont intactes. La tombe n'a pas été pillée et c'est exceptionnel. Nous sommes à l'intérieur d'une galerie souterraine, une galerie de 11 mètres de long. Encore une petite fausse porte là. On est dans leur éternité là. Oui. Ils étaient mis là pour l'éternité et nous on rentre dans leur éternité, on va l'interrompre. Ouais. Alors, on viole quelque chose bah, tout de même, peut... ben, oui, les deux sont mélangés, on a le plaisir scientifique, je veux dire, de trouver ces tombes non violées avec leur mobilier complet et en même temps. C'est quand même des êtres humains, hein. Un jour on sera comme ça. Pas aussi bien soignés d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Et ils se croyaient tranquilles pour des millions d'années, comme le nom des temples des rois du Nouvel Empire. Et puis voilà qu'on vient casser le temps.